Pour qu'il puisse rentrer dans le
il avait l'habitude de dire que le mois de Rajab, qui fait partie des mois sacrés de l'année, est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que au cours de ce mois de Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala a invité son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à chez lui, au ciel. Et le mois de Shaaban, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le mois de Shaaban qui vient après le mois de Ramadan est le mois de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Dans les hadiths de Zayd ibn Thabit, Zayd ibn Harith, Zayd, il pose cette question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis au prophète, je vous invite, jeûner dans le mois de Shaaban, plus que tous les autres mois en dehors du mois de Ramadan. Pourquoi cela? Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant à Zayd que le mois de Shaaban est un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala fait le compte des actes posés par des croyants. C'est-à-dire, les anges viennent présenter des actes à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, Muhammad, j'aime que lorsqu'on vient présenter à Allah subhanahu wa ta'ala mes actions, que je sois en état de jeûne. C'est pour cela que je jeûne beaucoup au cours du mois de Shaaban. Alors, dans un autre hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois de Shaaban, il jeûnait dans les 15 premiers jours de Shaaban. Et à partir des 15 Shaaban, il arrêtait de jeûner. Alors il mangeait jusqu'à au mois de Ramadan. Fidèles musulmans, c'est pour cela que je dis que le mois de Shaaban nous interpelle du mois de Ramadan. Qui veut dire que Ramadan est en train d'arriver. C'est le moment pour les fidèles musulmans de. D'aller au champ, c'est le moment de cultiver. Mais pour récolter, là, ça serait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si on veut gagner au moment de récolte, ceci veut dire qu'au moment de corps de grain qu'on doit cultiver, nous devrons vraiment fournir beaucoup plus fort pour que le moment de récolte soit un moment propice pour nous. Si nous voulons profiter, nous voudrions profiter du mois de Ramadan, alors il faut le préparer. Pour bien préparer le Ramadan, il faut rentrer dans la sunna, la tradition de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Muhammad faisait pour préparer le mois de Ramadan? Qu'est-ce que est la sunna, la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir préparer le Ramadan? La première des traditions de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'interpeller les fidèles, les compagnons, pour leur demander de se préparer. Il avait l'habitude de dire Ayyuhan nas, qad azallakum shahrun karim, shahrun barakat wa nafa'a, shahrun al-hasanatu bi alfi amsalina, wal faridatu bi sab'ina amsalina. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses compagnons, au cours du mois de Shaaban, il leur disait, il y a un mois qui est déjà à la porte qui arrive. Ce mois est le mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala il partage ses grâces. Au cours duquel, lorsque le fidèle pose un acte, Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser 1000 fois des récompenses qu'il donne en dehors du mois de Shaaban. Lorsque le fidèle s'acquitte d'un devoir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner le mérite de ce devoir 70 fois. Et c'est un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne les péchés. C'est un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis. Pour dire au fidèle, les portes du paradis sont ouvertes pour toi. Il faut y entrer gratuitement. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il ferme les portes de l'enfer. Pour dire qu'au cours de ce mois de Ramadan, personne ne doit aller à l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de tout ça, il va enchaîner les chayatines, les démons.
vient s'installer dans nos cœurs, dans nos âmes, et il nous incite à faire du mal, Allah subhanahu wa ta'ala va les enchaîner pour ne pas qu'ils puissent corrompre les fidèles et les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est un mois que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le jeûne de ces jours. C'est-à-dire c'est un mois jeûné est une obligation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai rendu synodogatoire les prières nocturnes de ce mois. Qui veut dire les prières synodogatoires de la nuit. J'ai rendu ça synodogatoire pour vous. Alors, celle qui arrive à gêner le mois de Ramadan, en foi, en Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant aussi aux récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, il quittera le mois de Ramadan comme le jour où il est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde sans péché, alors il quittera le mois de Ramadan aussi sans péché. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient ajouter sur cela pour nous dire, celui qui arrive à prier les nuits du mois de Ramadan, par foi et en espérant récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés. Muhammad il continue à sensibiliser ses fidèles, il continue à sensibiliser les compagnons. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé une nuit au cours de ce mois de Ramadan. Cette nuit est appelée la nuit de calme, la nuit de destin. Au cours de cette nuit-là, si le fidèle arrive à poser un acte, alors cet acte-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner le mérite de 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration. Que nous avons l'habitude de dire, celui qui arrive à avoir la nuit de destin, la nuit de calme, alors la nuit de calme va lui donner une longévité spirituelle. Qui veut dire spirituellement, il a vécu 80 ans dans une année. C'est-à-dire, il a travaillé pour les mérites de 83 ans, plutôt 1000 mois dans une année. Alors, espérez celui qui a pu avoir 10 nuits de destin. Spirituellement, on va dire qu'il a vécu combien d'années. Dans ça, il faut le calculer. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire aux compagnons, préparez-vous pour ne pas rater cette occasion. Préparez-vous, car celui qui a vécu au cours du mois de Ramadan et il n'a pas réussi à se faire pardonner ses péchés, que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera jamais. Et celui qui a vécu avec ses parents, il n'a pas mis ses mains au service de ses parents jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés, lui aussi n'aura pas accès au paradis. Alors, fidèles musulmans, tout ceci faisait partie des actes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour préparer psychologiquement ses compagnons en leur disant, oui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce. Il nous a donné beaucoup d'années. Certains parmi nous ont 10 ans, certains ont 20 ans, certains ont 30 ans, certains même ont 60 ans, certains même ont plus que 60 ans. Et nous appelons des polis, Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés. Car si Allah t'a donné jusqu'à 60 ans, Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà tout donné. Tout ce qui vient après 60 ans, ça c'est le bonus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a donné toutes ces années. Et au cours de ces années, tu as vécu beaucoup de mois. Mais ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit, il ne faut jamais aborder le mois du Ramadan de la manière que tu abordes les autres mois de l'année. Ramadan est un mois exceptionnel. C'est pour cela que les musulmans, il faut préparer le mois du Ramadan. Pour préparer le mois du Ramadan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le préparer au cours du mois de Shaaban. C'est là l'intérêt de notre sermon d'aujourd'hui. Nous sommes dans le mois de Shaaban. C'est le moment propice, le moment idéal pour préparer le mois de Ramadan. En faisant quoi? En planifiant son activité. C'est-à-dire en planifiant son emploi du temps. Je sais que quand je
doit faire pour consacrer un temps soit parmi les temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné au cours de ces jours pour le mois de Ramadan. C'est très important. Alors il faut planifier son agenda pour avoir des temps libres pour le mois de Ramadan. Le temps libre pour quoi? Pour l'adoration, pour la lecture du Coran, pour les cycles, pour méditation. Le temps libre pour que tu puisses te rapprocher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps libre pour que tu puisses respecter les 5 prières quotidiennes dans la mosquée. Tu as l'habitude de prier chez toi. Tu as l'habitude de prier seul. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le mois de Ramadan. De grâce, il faut planifier son agenda pour qu'on puisse prier la prière de jour, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Isha, la prière de Fajr. Toutes ces 5 prières-là, on puisse les faire dans la mosquée. Voilà, c'est une expérience en même temps, c'est un apprentissage. Lorsque on arrive à respecter cela au cours du mois de Ramadan, voyez-vous que cela va changer notre comportement après le mois de Ramadan. C'est pour cela que Ramadan est très utile pour vous. Il vient nous apprendre. Pour bien préparer le Ramadan encore, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner. Alors il nous invite à jeûner au cours du mois de Shaaban. À jeûner, mais ce n'est que quelques jours au cours du mois de Shaaban. Pourquoi? Pour que le corps et l'âme puissent s'habituer au jeûne. Parce que certains parmi nous, depuis le mois de Ramadan passé, jusqu'à Ramadan qui arrive là, ils n'ont pas jeûné. Dès que le mois de Ramadan finit, le jeûne pourrait se finir. Ils attendent Ramadan prochain. Alors voyez-vous que avec l'arrivée de Ramadan, le premier jour de Ramadan, toi, ton corps est habitué à recevoir de la nourriture matin, midi et soir. Et quand tu vas priver le corps, ton corps de tout cela, alors cela va créer beaucoup d'avantages chez toi. Pour ne pas que cela arrive, il faut préparer son corps, il faut préparer son âme en jeûnant beaucoup pour moi de Shaaban. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Alors pour préparer aussi le Ramadan, il faut rembourser les dettes du Ramadan passé. S'il y a eu des jours que toi tu n'as pas jeûné, alors il ne faut pas rentrer dans le Ramadan alors que tu dois Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le dit dans notre langage, tu as crédit dans Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut rembourser les crédits d'Allah avant de venir lui demander de te pardonner au bout du mois de Ramadan. Surtout le moment, c'est le moment propice de rembourser les chaînes, les jours que nous n'avons pas pu gérer au bout du Ramadan précédent. Alors, il y a des musulmans. Pour préparer le mois de Ramadan, il faut s'habituer aussi aux actes de générosité. Parce que souvent, quand on parle de l'acte de générosité, certains pensent qu'en donnant une fois, on devient généreux. Ou bien en donnant au cours du mois de Ramadan, seulement on devient généreux. Non. La générosité aussi est une éducation qu'il faut donner aux enfants depuis bas âge. Pour que le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il puisse partager une partie de ses biens avec ses semblables. C'est ça l'objectif du mois de Ramadan. Fidèles musulmans, il faut apprendre à être généreux. Il faut apprendre aussi à prier au cours de la nuit pour que lorsque le Ramadan arrive, nous ne rentrons aucune nuit du mois de Ramadan. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui arrive à respecter les prières nocturnes du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés. Fidèles musulmans, voici comment il faut préparer le mois de Ramadan. Ainsi, nous allons dire que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le mois de Ramadan, il faut te dire que c'est ta dernière chance qui est là. Ta dernière chance veut dire quoi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner un autre Ramadan après ce Ramadan là? On ne le sait pas. Alors, ce que Dieu t'a donné là, c'est ce qui est pour toi. Ce que Dieu ne t'a pas donné, il ne faut pas faire des plans pour cela. Ramadan qui arrive là, il faut prier Dieu à ce que Ramadan te trouve en bonne santé. Il faut prier Dieu à ce que tu puisses
puisse profiter du mois de Ramadan. Il faut prier Dieu à ce que tu sois parmi ces élus, les élus de paradis africains au cours de ce mois béni du Ramadan. Alors il faut faire tous les projets pour que ce Ramadan-là ne soit pas comme les Ramadan précédents. Au cours du Ramadan précédent, oui, tu as posé des bonnes actes, tu as fait des pas en avant, mais cette fois-ci, il faut se dire que c'est la dernière. C'est le dernier Ramadan pour toi. Alors, il faut te donner à faire. C'est-à-dire, il faut tout donner. Fais en sorte qu'après le mois de Ramadan, toi, tu puisses te dire, même si Ramadan prochain ne te trouve pas en vie, Alhamdulillah, il a mis la main. Je suis maintenant prêt pour accueillir mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèle musulman, c'est avec cet esprit-là qu'il faut accueillir le mois de Ramadan. Il faut aussi, comment dire, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner tes péchés. C'est-à-dire, il faut se repentir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle de repentir, ceci veut dire que chacun de nous a ses petits défauts. Chacun de nous sait que quelque part, il y a des choses entre lui et son Seigneur qui n'est pas bien. Peut-être, ses semblables ne sont pas au courant. Mais entre lui-même personnellement et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il y a des actes qu'il lui pose et ces actes ne sont pas appréciés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est le moment de dire que Allah, permets-moi de me débarrasser de tous ces actes qui ne sont pas appréciés auprès de toi. C'est le moment de se repentir, de demander à Allah de pardonner tous ces péchés pour que tu puisses rentrer en Ramadan étant allégé des péchés. Pour que tu puisses vraiment accueillir le mois de Ramadan avec un cœur sincère, un cœur fortifié, et puis on va dire un cœur qui est prêt à gagner le challenge du Ramadan. Parce que le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé les objectifs. L'objectif général du mois de Ramadan, c'est ce que Allah nous a dit dans le Saint-Coran. Lorsqu'il a dit Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il nous a dit, oh vous qui avez cru à Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne du mois de Ramadan vous est obligatoire. De la manière qu'il a été prescrit obligatoire à ceux qui vous ont précédé, afin que vous puissiez atteindre la fête révérencière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'objectif général ou l'objectif suprême du mois de Ramadan, la fête révérencière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan va nous enseigner et pour que nous on puisse profiter de ces enseignements, il faut que nous nous habillions en tenue d'étudiant. C'est-à-dire, il faut que nous acceptions que nous sommes des étudiants, nous nous sommes des apprentis. On rentre dans le mois de Ramadan pour apprendre. On rentre dans le mois de Ramadan pour changer nos comportements. On rentre dans le mois de Ramadan pour gagner ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé comme objectif. Fidèles musulmans, lorsqu'on atteint Ramadan avec cet esprit, avec ce cœur sincère, et Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala va nous accompagner et il va nous aider à ce que le Ramadan soit beaucoup profitable pour nous. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne le mois de Ramadan sain et sauf. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le mois de Ramadan qui arrive soit vraiment un Ramadan profitable pour nous, un Ramadan qui va nous procurer le paradis et un Ramadan qui va nous donner, on va dire, l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.